n'y a pas le bruit du champagne. Salut à tous, bienvenue dans votre bistrot Bistro Vélo, un nouveau numéro. On regarde tout de suite le menu, vous allez voir, plein de spécialités bretonnes aujourd'hui avec un chotaine de cornouaille. On va en parler avec notre invité, je crois que le chotaine c'est une tête de cochon. La cornouaille c'est sa région d'origine, pas loin de Quimper, hein. Du Kigafar, s'il pourrait vous en parler. On en mange au Trobreléon, un Trobreléon qui n'a jamais gagné. Par contre, il a ramené 4 cochons à la maison. C'est Laurent Pichon, notre invité. Le dessert, bon, on en parlera un peu, c'est une crème dessert néerlandaise. On parlera de drinte, mais ça, je ne sais pas le prononcer. À la tienne, Laurent. Comment ça va, Laurent Pichon? Ça va, heureux d'être parmi vous, donc pour la première fois, et puis quelques jours avant la fin de la carrière, donc c'est sympa. Est-ce que tu sais où tu t'arrêtes? Paris-Tours? Je m'arrête au Tour de Vendée dans une semaine. Tour de Vendée, donc pas de Paris-Tours. Tour de Vendée, ça sera la dernière aussi de Peter Sagan. Ouais, bah c'est pour ça, je me suis dit, bon, quand même, je peux lui voler la vedette, je vais pas me gêner, quoi. Tu es un spécialiste de la chotaine, c'est bien ça, c'est un plat de ta région, la région de Quimper, tu connais pas? Une charcuterie, une tête de cochon. Non. Je me suis dit, tiens, il va pouvoir en faire. Non. Bah ouais, c'est sûr, j'ai ce qu'il faut en magasin, mais non, je suis plus Kikafars. Kikafars, je connais bien. Bon, on va reparler de ta carrière. Un grand merci. On rappelle que Laurent Pichon s'arrêtera à la fin de la saison. On va regarder un petit peu le palmarès de notre invité du jour. Je dois être à 14. Allez, j'en rajoute une. 15 saisons chez les professionnels. Une carrière professionnelle attaquée en Bretagne, déjà avec Manu Hubert, passé chez Marc Madiot de 2013 à 2016. Et puis le retour au Bercail depuis 2018 avec l'année précédente. Une belle victoire en Coupe de France. Classement général de la Coupe de France. Classique de la Loire-Atlantique. Il a remporté les boucles de la Mayenne et il a aussi terminé 8e de Paris-Roubaix l'année dernière. Quand tu regardes cette fiche, tu es fier de tes presque 15 ans chez les professionnels, Lolo? Bah oui, c'est sûr. Déjà, déjà passer professionnel, c'est un premier rêve, on peut dire. Donc, après, y rester quasiment 15 ans, c'était inespéré. J'aurais signé tout de suite. Donc fier bah oui de cette régularité. Alors après j'ai jamais été un grand champion, je me suis jamais distingué sur l'étape du Tour de France ou quoi, mais en tout cas j'ai été régulier quand même au plus haut niveau et ouais je suis fier de cette longévité. Ouais. Et beaucoup d'humilité parce que moi j'ai des images. Tu t'es distingué sur une étape du Tour de France cette année, un Tour de France que tu ne pensais pas faire. On est sur la 3e étape, retour en France en direction de Bayonne. Au départ t'es avec Nelson Paulès et puis tu te retrouves tout seul, combatif du jour d'ailleurs. Il te passe quoi dans la tête? Tu les revois là, c'est 14 ans chez les pros, en tête du Tour de France. Ouais, bah clairement, c'était... En fait, j'ai loupé le Tour de France de peu 2020 et 2021, donc c'était deux grosses déceptions, donc m'y retrouver cette année où, on va dire, où c'était pas forcément prévu, et puis ouais, ouvrir la route du Tour, profiter de ce public. Et ouais, on repense finalement à toutes ces années, tous les sacrifices qu'on met en place pour vivre ce genre d'émotion. Et ouais, c'était un privilège d'avoir ce genre de sensation, même si, voilà, comme je dis, les privilèges, faut se donner les moyens de se les procurer. Mais ouais, non, c'était. Bah, moi, je savoure au maximum, en fait. J'avais la chance d'être là. On fait le tour des retraités. On a eu Maxime Bouet il n'y a pas très longtemps. On a eu Tony Galopin qui arrêtera à Paris-Tours. Qu'est-ce qui est le plus fatigué, Laurent? La tête ou les jambes? Après 15 ans chez les pros? Bah, je pense que c'est plus la tête, parce que les jambes elles vont plutôt bien. Bon, c'est sûr, j'ai perdu un petit peu en tonicité. J'ai moins vite au sprint qu'en mes premières années, mais après, non, je me sens beaucoup plus solide, beaucoup ouais, plus résistant. Maintenant, c'est vrai que bah, ouais, c'est la dureté de tous les jours, l'entraînement. En plus, maintenant, j'ai déménagé depuis un an et demi, donc je m'entraîne seul, c'est pas si simple. Et puis bah le métier est de plus en plus exigeant, hein, que ce soit au niveau des stages, de la diététique, enfin tout est de plus en plus millimétré. Et puis bien sûr aussi les risques en course, hein, c'est voilà le niveau est de plus en plus dense, il y a de moins en moins d'espace sur la route avec la densité de ce peloton et ouais tout ça mis bout à bout quand on voit aussi les jeunes talents qui arrivent, on se dit que c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Ouais. On a vu les images de cette échappée à ce moment-là dans l'oreillette, tu ressens un message, tu penses que c'est Sébastien Hinault et puis pas du tout. Et nous, on vit ça à l'antenne. Regardez, rappelez-vous. Thank you.
Je suis si fier de toi. Fais-toi plaisir, ta femme. Ça fout les poils, ça, non? Bah oui, c'est sûr. C'est vrai que c'était assez inattendu. Alors, ce jour-là, je savais qu'il y avait des personnes bien placées chez Arkea. Donc, au début, j'entendais la voix d'une femme. Je me suis dit, bah, disons, c'est peut-être une femme du groupe Arkea. Et puis, finalement, avec les derniers mots, profite et je t'aime fort, je me dis, bon, bah non, c'est pas ça, ça va être ma femme. Donc, voilà. On C'était arrive à plutôt garder les sympa. larmes là, on arrive à... ça donne un petit coup de boost ou on oublie ce qu'on est en train de faire? Bah, clairement, ça donne un coup de boost parce que bah, tout seul, c'est pas facile. On doit pédaler tout le temps. Hein. Descente, plat, montée, enfin voilà, c'est un rythme assez intense comme un chrono. Donc, ouais, ça redonne un petit coup de boost. Et puis bah, ouais, une fois de plus, se dire bah, que c'est, je vivais quelque chose d'unique. Donc, ça, c'est des souvenirs qui resteront gravés toute la vie. Ouais. Il va y avoir du temps maintenant pour récupérer le temps perdu avec la famille, les gamins. Comment tu vois tes mois là après le Tour de Vendée? Ouais, bah profiter, c'est sûr que les années passent vite. J'ai ma fille, la grande, Manon, qui a déjà 10 ans. Donc après, on verra bien ce que je fais. Mais voilà, quand on est à la maison, comme je leur dis, j'ai aussi le privilège de pouvoir aller les chercher tous les soirs à l'école. Moi, mes parents ne viennent jamais venir me chercher à 4h30 à l'école. Donc c'est des petites choses. Après, ce qui est le plus fatigant. Avec les années, par exemple, c'est bah là, après le Tour de France, on est parti en vacances, et puis bah, on n'est jamais vraiment en vacances, quand on est course cycliste, on va s'entraîner 4-5 heures, et puis quelque part, il y a la moitié de la journée qui passe. Donc voilà, tout ça, c'est profiter un petit peu plus de la famille, parce que bah, ouais, les années passent vite, et comme je dis, la grande a déjà 10 ans, donc il reste pas 10 ans à passer de petits moments. Voilà, j'ai près de la mer, aller à la pêche, tout ça, ça passe vite, hein, la vie. Être maître de son temps, c'est ce que nous disait quelqu'un que tu as croisé dans ta carrière, Thibaut Pinot, qui était notre invité la semaine dernière. Il y a plein de questions. Sébastien, ça te dit quelque chose? Ton soigneur, Sébastien Laroche, qui est en train de regarder, il dit, je Ouais. sais que tu aimes pas la Belgique, mais il y a bien un truc que tu aimes chez les Belges, c'est quoi? Ouais, bah Seb, j'ai l'habitude d'être entre ses mains au massage. Donc voilà, et puis ben à l'occasion, modérément, ça arrive qu'on se boive une petite bière et ouais, de belge de préférence. Ah, tu aurais jamais pu aller à la Jumbo, toi, parce qu'apparemment, ils ne boivent pas de bière à la Jumbo. Ils boivent du champagne pour fêter les Ouais, victoires. c'est ça. Il C'est ça. y a plein de Ouais, questions, j'en ouais. profite. Qu'est-ce qui a évolué? Tu parlais tout à l'heure de ces 15 ans. Il y a Fred qui nous demande qu'est-ce qui a évolué dans l'entraînement sur ces 15 années de professionnalisme, tes années Bretagne Schouler à aujourd'hui chez Arkéa Samsic. Globalement, hein, pas que dans l'équipe bretonne. Bah déjà, moi, mes 3 premières années, je roulais sans capteur de puissance. On n'avait pas dans l'équipe Bretagne Schouler. Donc maintenant, quand on parle de ça, même à un junior, ça peut paraître presque fou. Donc après voilà, c'est aussi ça qui fait durer, hein. Moi, je pense que j'ai progressé avec mon entraîneur de ces 3, 4 dernières années, Kevin Rinaldi. Donc voilà, mais bon, on est toujours branché avec ça. Donc ouais, l'entraînement, la régularité, on est suivi aussi sur des plateformes où on doit quelque part rendre compte de son travail. Enfin, c'est il y a peut-être un petit peu moins de plaisir, un petit peu moins de jeu qu'on pouvait avoir les premières années où c'était plus la pancarte et la bosse à l'heure libre et la course en fait. Et d'ailleurs, je pense que certains jeunes ont peut-être perdu ou perdent parfois cette notion de plaisir et de gagne et se fient peut-être un peu trop aux watts. Tu aurais été un meilleur coureur si tu avais eu le capteur à tes débuts ou finalement tu aurais été le même puisque tous les autres auraient été meilleurs en même temps que toi quoi. Ouais, je sais pas. Après, il y aurait peut-être. En tout cas, c'est vrai que moi, des fois, m'en détacher, ça me fait pas de mal. Au contraire. D'ailleurs, à la base, j'étais sur la piste. J'ai fait beaucoup de pistes sur les vélodromes, mais là, on avait pas de vitesse non plus. Hein, donc, c'était un seul braquet. Il fallait pas se poser de questions. Il fallait appuyer Bah tiens, fort. j'ai une question par rapport au capteur du silence. Il y a Anne Thirion. Et ça fait du. Pardon, on t'a perdu quelques temps. C'est pour ça que je parlais pour attendre que la connexion soit meilleure. Je vais énerver Anne Thirion, c'est sa première. Vas-y. Je voudrais revoir les images de Paris-Roubaix, Anne. Paris-Roubaix 2022. Est-ce que tu as ton capteur de puissance là quand tu pars dans l'échappée avec les Doubs, les Rabiouchenko? Après, il y a le gros groupe qui va venir avec Adrien Petit, tout ça. Est-ce que là, on a le capteur de puissance? Parce que quand on a capteur de puissance sur un truc comme ça, je pense qu'on doit se faire peur, non? Ouais, bah pour tout vous dire, il a marché en début de course et puis je sais pas si les vibrations ou quoi, et bref, il y a eu un bug et en gros j'ai pas eu mes données, mais en tout cas j'ai pas eu mes données sur la dernière heure.
Mais ce que je peux dire, c'est que sur 5 heures, j'ai quasi explosé tous mes records. Donc, bah ouais, c'était une journée en enfer, mais il fallait avoir la condition. Alors, comme j'ai eu les bonnes circonstances, l'échappée, tout ça, mais il fallait malgré tout appuyer, ouais. C'est l'une de tes plus belles journées Et ça m'a. sur le vélo. Ouais. Ouais, clairement. Alors, tant qu'on est dedans, on savoure pas trop, parce que c'est difficile, l'enfer, mais moi, je garde en mémoire l'image du carrefour de l'arbre où je suis en train de revenir sur Adrien Petit et ouais, cette foule qui s'ouvre en fait devant nous comme ce que je voyais à la télé tous les ans parce que j'étais pas un adepte de Paris-Roubaix. Et ouais, là, ça me met le frisson et puis c'est ça qui me reste vraiment en mémoire. Et c'est vrai que les gens, le grand public, me parle plus de ça que finalement que des victoires que j'ai pu avoir. Donc ouais, c'est que ça a marqué. On va écouter quelqu'un que bah, tu connais depuis longtemps. Il a toujours gardé un œil sur toi, c'est ton manager, ton boss, Emmanuel Hubert, qui avait une petite question. Salut Piche, bah écoute, j'aurais aimé que tu nous fasses une de tes imitations favorites. Et quand je dis favorite, c'est éventuellement un peu de moquerie de personnage de l'équipe. Et donc ça, je sais que tu sais faire, donc à toi de jouer. On essaye de m'éviter, ça serait pas trop classique quand même. Ciao. Alors, imitateur. Laurent Pichon, imitateur. Il paraît que tu imites pas mal de personnages du cyclisme et de l'équipe. Alors, il voulait pas être imité. On va te demander de commencer par Manu Hubert. Est-ce que tu as le Manu Hubert en bouche? Je l'ai pas parfaitement, mais ouais, j'ai pas mal de ces sorties, de ces phrases cultes, on va dire. Donc Allez, voilà. deux, trois pour nous. Je t'en demanderai d'autres hein, après. Ouais, on va dire parfois, même parfois, les moments un peu délicats, hein, il m'en voudra pas, mais quand on l'appelle pour négocier le contrat en fin d'année, des fois c'est pas si simple. Donc ouais, c'est pas si facile que ça, mon lapin. Et puis tu sais, pareil, c'est pas fait en un jour. Et puis la plus belle fille du monde, elle peut pas donner ce qu'elle a pas, mon pauvre pige. Donc voilà. Ouais, il est plein de lieux communs comme ça. Et puis le Mont Lapin, ça c'est lui. Daniel Mangeas, t'as Daniel Mangeas, j'imagine. Pas vraiment, parce que ouais, je le côtoie, on va dire, sur les podiums, mais en fait, je m'attache surtout à imiter les gens que je côtoie, on va dire, plutôt régulièrement au quotidien, et puis surtout avec les mimiques. Mais c'est vrai que Daniel, c'est mythique, mais non, je l'ai pas encore, non. Alors, lequel tu as bien? Lequel j'ai bien Moi j'ai Gilles à un Masse, mais moment Gilles donné. Masse, tout le monde l'a dans le vélo. Ouais, voilà, donc non, j'ai Nasser qui a son petit style aussi. Ah, Nasser Bouhanni, avec qui t'as couru à Voilà, la FDJ. j'avais déjà imité à la FDJ, notamment lors d'une soirée, il en revenait pas. Donc c'était. Bah allez, bon, bah, je me lance. Vous étiez où là, le train? Parce que je vous ai pas bien vu quand même, il manquait du monde. Donc voilà, après c'est. Moi, je suis vraiment en bonne forme aujourd'hui. J'espère que ça va le faire et bon, y a pas de raison, on devrait pouvoir gagner. Ah, c'est énorme. Pour ceux qui connaissent Nasser, c'est énorme. Je sais pas s'il écoute Nasser, mais c'est énorme. Les victoires. Les victoires avec la Coupe de France 2017, la victoire aussi à la Classique Loire-Atlantique, tu l'as dit. Il n'y en a pas eu beaucoup des victoires. Levez les bras, ça représente quoi dans une carrière? Je crois que c'est Nasser d'ailleurs, hein, qui arrive. Il est encore chez Cofidis à l'époque. Il fait deux là en devançant Thomas Bouda. Ben, ça fait du bien, parce que bah ouais, j'avais sorti 4 ans à la FDJ où j'étais plus dans un rôle d'équipier, mais ça m'a aussi fait progresser. Et Manu, ouais, souhaitait que je revienne dans l'équipe. Donc on s'est retrouvé en 2017 et ça a été, ouais, on va dire ma meilleure année sur le plan sportif avec ses victoires, mon premier Tour de France. Ouais, ça faisait vraiment plaisir. Et en plus, j'ai eu mes 3 victoires dans l'espace de 15 jours. Donc là, c'est, je me suis dit, bon, ben. C'est bon, je suis un king, je vais en gagner 10 par an maintenant, mais non, en fait, je me suis pas relâché, mais parfois, voilà, il y a des bonnes spirales, et là, c'était une spirale, ouais, top, et il fallait en profiter, et voilà, ma troisième, la route à Delhi en Bretagne, pareil, devant la famille, proche du service course, c'était un super moment, Qu'est-ce que ça change enfin, et dans cette ta tête? régularité. Ouais, quand tu arrives de la FDJ, puis là tu me dis je change de crèmerie, entre guillemets, et j'arrive à gagner. C'est quoi? C'est un déclic psychologique? Juste psychologique? Bon, après, il y a la lucarne. Ça, tu l'as bien dit. Il y a plein de coureurs qui me disent il y a une lucarne. Il y a, voilà, quand les autres sont un peu moins bien, quand toi, tu es au top, si ça dure 15 jours, il faut en profiter 15 jours. Ouais, il y a eu ça, il y a eu, bah, je pense, la confiance. Quelque part aussi, je suis revenu dans une équipe où il n'y avait pas trop de leaders, hein, donc Inovital Concept à l'époque.
Donc bah tout de suite on se sent plus protégé, on court plus pour nous qu'à l'époque. Bah moi j'ai plus travaillé pour Arthur Vichot, pour Nasser, pour Arnaud Demare. Donc bah ouais, finalement quand on nous aide bien, bah je me suis retrouvé sur le devant de la scène et ça m'a fait plaisir de vivre ces moments, parce que c'est vrai que c'était déjà ma 8e saison en pro, j'avais encore rien gagné, donc je commençais à me poser des questions, même si j'avais fait plusieurs fois deuxième. Ben c'est l'occasion de passer au questionnaire Bistro Vélo de Laurent Pichon, ça fait pas mal. 5 questions. Bistro Vélo, questionnaire, Laurent Pichon, ton meilleur pote dans le vélo, Pipiche. Bah, il y a Armindo Fonseca avec qui on a vécu des super années. On est parti en vacances plusieurs fois ensemble. Donc voilà, Armindo a arrêté avant moi, mais c'est un de mes meilleurs amis. Ouais, je garde aussi contact avec Benoît Vaugrenard, avec qui je suis assez proche. Benoît Vaugrenard qui s'occupe des jeunes, notamment des juniors à la Groupama FDJ. Armindo qui s'occupe comment on dit, des sponsors au sein de l'équipe Arkéa Ça va. Samsic. Tu veux rester dans le vélo? Ça discute en ce moment? Oui, ça se discute, on n'a encore rien défini, mais moi, bah, j'avais pris un petit peu les devants il y a 2 ans. J'ai passé mon DGEPS, parce que bah, j'avais conscience qu'une carrière peut vite s'arrêter aussi. Voilà. J'ai passé 2 années un petit peu compliquées en 2019, et puis derrière, il y a eu l'année Covid abrégée que tout le monde connaît, donc j'ai commencé à réfléchir à ça, et l'équipe m'a autorisé à faire cette formation tout au long de 2021. Donc, ouais, dans l'idée de devenir directeur sportif, parce que bah, j'ai toujours voilà, le vélo c'est mon job, mais c'est ma passion avant tout, et j'ai toujours cet esprit de compétition. Donc si je peux plus être sur le vélo, bah, pourquoi pas accompagner les jeunes et les guider au mieux pour aller chercher le meilleur. Ouais. Avec une équipe de développement qui J'ai va un se bon monter. esprit fédérateur, donc voilà. Ouais, Maxime Voilà, c'est Bouet ça, il y a qui va beaucoup à transmettre. s'occuper du développement chez Arkéa Samsic. Voilà. Ouais. Ton meilleur souvenir Ouais, et puis. sur le vélo? Bah, il y en a plein, ouais, la première victoire, le premier Tour de France, mais j'ai aussi des super souvenirs au Giro, les victoires de Nasser. Et voilà, et puis bah, il y a un souvenir qui est difficile, mais qui est bon, c'est le Trobriand-Léon, en fait, en 2021, où bah, je pense que j'ai jamais été aussi près de le gagner. Donc c'était une déception énorme, avec cette crevaison aussi près du but. Mais à la fois, voilà, à l'arrivée, j'avais le public tout à ma cause, et j'ai senti une vraie émotion. Donc quelque part, ça faisait plaisir d'être le vainqueur moral, et ça, c'est des moments forts de la C'est carrière. resté dans la maison, c'est Hugo qui gagne ce jour-là. C'est ça, ouais, bah ça avait atténué ma déception, bien heureusement. Et Et tu quand même connais un... la petite histoire qui s'était jouée en coulisses alors que toi t'étais sur le vélo? Je sais pas si t'es au courant, Bah parce que moi on oui, m'a je raconté sais. quelque chose, mais Manu Hubert avait un choix cornélien à faire parce que vous marchiez très très fort. Il fallait choisir. Et juste au moment avant que tu crèves, il dit bon ben c'est pour Pipiche. Ben ouais, voilà, on aurait peut-être dû rien dire. Non, ben c'est le destin, mais bon, ça restera toujours ma course de cœur. Enfin, ouais, je l'ai disputé, ben, je crois, 13 fois. J'ai dû louper une seule édition, dont peut-être 12 avec l'année Covid. Mais ouais, j'ai toujours été régulier sur cette course, et encore cette année. Donc, d'ailleurs, Arnaud Delisle, quand il a su que je prenais ma retraite, il m'a dit ah, t'aurais pu arrêter au Trobro quand même. Ouais, mais Et c'est je lui ai tôt dit, dans la saison. est-ce que tu m'aurais laissé gagner? Il m'a dit, bah non. Donc, du coup, Aucun je dis, intérêt. bah, tu vois, donc, il faut mieux que j'arrête tout de suite, alors. Aucun intérêt. Ton premier coup de pédale, Laurent? Bon, j'ai commencé à 6 ans, mais j'ai vite arrêté. Et vraiment, ma première licence, c'est en 2013, donc en minimum. Pourquoi tu arrêtes à 6 ans? En 2013, pardon, à 13 ans, Oui, je à me 13 ans, mélange. parce que j'étais en train de dire 13 ans, Ouais, 13 ans. 2013. J'avais Non, non. pas les mêmes À dates. 13 ans, Mec, à 37 ans, en il est né en 99. 2000. Non. À 13 ans, en 99, j'étais au club du CCR Erguebiric, près de Quimper. Et Voilà. pourquoi tu arrêtes? Yes. Pourquoi tu arrêtes entre 6 et 13? Mon père était dans les assurances, en fait, il était souvent muté, et du coup, suite à une mutation, ça m'a. Ben voilà, j'ai pas voulu tout de suite intégrer un nouveau club dans la nouvelle ville dans laquelle j'arrivais. Donc voilà, je m'étais mis au canoë-kayak, et puis finalement, j'ai repris le vélo après. Ton idole de jeunesse, Tony Estanguet. Oh, Non, non, bah, en coureur, ouais, moi j'aimais bien Jaja, forcément. Voilà, Richard Virenque. Et puis, voilà, c'était aussi une fierté. Par exemple, ma première année pro, j'ai pu côtoyer
Christophe Moreau, et puis ouais, j'ai à l'FDJ, j'étais avec des Pierrick Fédrigo, Sandy Cazard, bah, des personnes que je voyais gagner à la télé, Pierrick que j'avais vu gagner le Grand Prix de Plouay alors que moi j'étais derrière la barrière, ça faisait quelque chose d'être avec des coureurs comme ça et d'être après en chambre avec eux, donc c'était ouais, c'était un peu le rêve quoi. Ton pire souvenir dans le vélo, Laurent Pichon. Bah les chutes, ça fait jamais plaisir. En 2014, je me suis fait une belle chute sur l'étoile de Bessèges où bah d'ailleurs depuis j'en garde une belle cicatrice sur le côté gauche. Donc voilà, avec entorse cervicale, c'est ça qui est difficile. Et puis sinon bah les journées galères, des fois parfois la neige, le froid, notamment sur le Giro en 2014 aussi d'ailleurs. Donc c'est ça, mais ouais, c'est les chutes c'est ça qui est le moins agréable dans le vélo. Tu verras, aux petits enfants, tu es, regarde, ça, étoile de Bessèges. Ça va calmer les C'est petits ça. enfants. Ouais, j'ai laissé quelques dents aussi, mais bon. On va passer à la partie Bistro News et on va prendre la direction de Drenthe avec la victoire, bien entendu. Encore une belle victoire pour l'équipe de Thomas Voeckler. C'est Christophe Laporte qui avait déjà pris la deuxième place hein, dans le championnat du monde. C'était il y a un petit peu plus d'un an qu'il s'impose devant Wout Van Aert, devant un autre équipier de la Jumbo-Visma, Olaf Kooi, sous les yeux ben, de copains à toi. Il y avait Clément Russo qui était là dans l'équipe. Il y avait Mathis Louvel également. Tu l'as vécu, j'imagine, à fond cette course, hier. Allez, 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 Christophe, Ouais, dans le dernier kilomètre. c'est ça. Et suivi sur Eurosport aussi en plus, donc voilà. Ça, Donc c'est la meilleure chaîne. non, bah ouais, bien sûr. Il y avait des frissons et bah ouais, il a super résisté, Christophe. Après voilà, c'est génial pour l'équipe de France, pour le vélo français. Si ça peut encore inciter des jeunes à se mettre au vélo et avoir un meilleur vivier, bah tant mieux. Après, si je dois faire un débrief de la course, ouais, je pense que bah ouais, peut-être les Belges ont fait une erreur parce que quand on voit le final d'Arnaud Demie, je pense que finalement c'était peut-être le plus fort. Arnaud Delis qui dit j'ai pas compris. Alors c'était pour Voûte, mais Voûte aurait dû suivre Christophe. C'est logique. Voûte qui suit Christophe et Arnaud qui est derrière. Si ça rentre, c'est lui qui fait le sprint. C'est ce que tu analyses toi aussi comme petite faute belge. Alors qu'ils ont roulé dès le départ, hein. Ils ont essayé de contrôler avec les Italiens. Oui, après, bah, je pense qu'Arnaud aussi, voilà, avec sa jeunesse, 21 ans, quand il roule pour un Wout Van Aert, et le palmarès qu'on connaît, bah, pas quel était leur rôle à la base, mais en tout cas, c'était peut-être sacrifié un petit peu trop vite, et puis ouais, les rôles auraient peut-être dû être inversés. Je pense que bon, ça aurait été moins bien pour nous les Français si Arnaud avait gagné, mais Des voilà, problèmes de je pense qu'une riches. petite erreur dans leur camp. Des problèmes de riches, ça arrive Voilà. souvent à la Belgique. On peut Ouais. remonter hein, dans le passé quand il y avait, je sais pas moi, Oui. un Tom Boonen et un Philippe Ouais. Gilbert. C'est toujours quoi? Qu'est-ce qui fait la force, justement, bah de Thomas Voeckler? On l'adore, Thomas. On revoit une petite photo à 4 jours de Dunkerque. Vous êtes sur le podium tous les deux, toi, avec ce magnifique maillot blanc des 4 jours. Lui, il a le maillot rose, ça Ouais. remonte un petit peu. Qu'est-ce qui fait sa force pour cimenter cette équipe? Hier, je commentais pas. J'étais sur le Tour du Luxembourg. J'ai regardé ça. Et loin de l'arrivée, je me disais, mais qui gagne ou qui gagne pas, on les aime ces mecs parce qu'on sent qu'ils courent en équipe. Et on sentait pas ça les années précédentes. On va pas donner le nom du sélectionneur, tout le monde le connaît. Et c'est pas le problème. Qu'est-ce qui fait que Thomas arrive à fédérer comme ça? Bah, je pense que c'est son naturel, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, moi je l'ai côtoyé notamment lors de ma formation d'EGEPS, donc voilà, c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui a la parole facile et qui a toujours les petits mots pour fédérer un groupe. Donc en plus de ça, bah, c'était un super coureur, donc il sait de quoi il parle et je pense que tous les équipiers qu'il a eu aussi chez Europcar avaient ce même discours, c'est qu'il c'était voilà, c'était un meneur d'hommes. Sur le papier, Europcar n'avait peut-être pas une équipe extraordinaire, mais en tout cas Thomas savait les transcender et ils ont toujours fait des saisons pleines, notamment sur le Tour de France. Ouais. C'est quoi? Il parle au cœur, c'est un petit supplément d'humanité, c'est ce qu'on ressent hein, quand on discute avec Thomas. Thomas, il peut être très très fermé, il faut d'abord avoir sa confiance. Une fois que tu as sa confiance, voilà, il parle sans filtre, Thomas Voeckler. Il fait pas de discours, Thomas Voeckler. Bah c'est ça, ouais, il parle avec son cœur sans faire de chichi. Hein, donc ouais, c'est ça. Après, moi, comme je dis, je n'ai jamais eu en sélection, j'ai pas eu cet honneur. Donc voilà, mais non, c'est sûr que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ouais. Arnaud Démare, qui vient d'arriver, tu l'avais croisé à la FDJ, il était dans la sélection hier, il se retrouve un petit peu loin, il essaye de rentrer avec Philippe Ogana. C'est un vrai plus pour cette formation Arkéa-Samsic. Tu as eu l'occasion de discuter avec lui, on le sentait malheureux hein, ces derniers mois chez la Groupama. Je disais une interview chez nous, je crois que c'est Fabien Esvan qui a fait cette interview. Ils sont fiers de m'avoir chez Arkéa, c'est ce que disait Arnaud Démare.
Clairement, bah, moi j'ai disputé le Grand Prix d'Isbergues il y a un peu plus d'une semaine avec lui, donc ça faisait plaisir de se retrouver après tant d'années sans être sous le même maillot. Et puis bah, ça fait tilter, il fait troisième et il y a eu un beau travail de toute l'équipe. Donc bah oui, ça nous redonne un élan. Donc voilà, pour diverses raisons. On a eu des sprinteurs qui n'ont pas pu répondre voilà, à 100% cette année avec des blessures ou autres. Et là, Arnaud qui vient avec cet esprit, bah déjà quelqu'un de très professionnel et un vrai leader quand on voit son palmarès. Donc voilà, je pense que tout le monde se sent impliqué et a envie de travailler pour lui. Donc non, non, nous, ça va nous faire du bien. Et j'espère que bah, pourquoi pas dès dimanche au Tour de Vendée, je pourrais finir ma carrière en beauté avec une victoire. Tu l'as en tête, ça? Il va encore gagner Arnaud Démare, toi qui le connais bien. Bah oui, je pense. Et puis, comme je dis, il a comme un champion qui a son mental. Et puis, quelque part, je pense qu'il a un petit envie de prouver que, voilà, peut-être que, ouais, il y a eu un manque de confiance à la FDJ. Et du coup, il veut leur montrer qu'ils ont eu tort. Donc, je pense qu'il a ce challenge-là en tête, ouais. Ouais, on suivra ça sur les antennes d'Eurosport, bien entendu. Je crois que j'aurai la chance de commenter la dernière de Laurent Pichon et la première victoire donc d'Arnaud Démare pour l'équipe Arkéa-Samsic. On va passer au Tour du Luxembourg. Rapidement, une petite photo. La victoire de Marc Hichy au classement général. Le doublé pour l'équipe des Émirats Arabes Unis avec Brandon McNulty. Un beau numéro de Ben Healy, le jeune Irlandais qui a gagné l'étape Rennes avec 30 km hein, d'échappée. Il reprend Bastien Tronchon qui est le dernier à résister. Et puis, on a vu bah, de belles choses encore de cette formation. Arkéa-Samsic avec Thibaut Guernalec, on y était habitué, et puis avec Jente Biermans également qui est allé chercher la 7e victoire cette saison de votre équipe, la 2e pour lui. Ça y est, ça regagne. Il y a eu un petit trou, mais ça regagne là pour la formation Arkéa-Samsic. Ouais, bah Jente, j'ai fait quelques courses avec lui cette année, notamment le Tour de France, où il a été très courageux. Il avait subi une vilaine chute, avec une grosse blessure, il s'est accroché. Puis bah, là, on voit que ça paye. C'est lui qui avait débloqué le compteur cette année. Et puis, comme tu dis, après une période creuse, bah, c'est lui qui nous réoffre une victoire. Donc maintenant, on va essayer de finir en beauté. Mais bah, ça fait du bien à tout le monde parce qu'on met des choses en place. Je pense que tout le monde est appliqué sur son travail. À l'entraînement, enfin moi je croise pas de coureurs Qui trichent, qui sont en dilettante, voilà, donc qui on partent essaye à Las de Vegas et qui envoient pas leur Strava. Ouais, je sais pas, bah après il Tu faudrait l'as demander pas à fait à Manu, je crois Manu, qu'il a ça, le les coup infos, de mais Las Vegas. non, non, je crois pas, non, 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 ça c'est pas apparu en tout cas sur mon Training Peaks. Tiens, il y a plein Donc, de petits messages. Il y a après. Aurélien qui dit merci pour ta carrière, Pipiche. Antoine, le bail, coucou, c'est un copain. Pipiche, tout le monde t'appelle Pipiche. Moi, on m'a toujours dit Pipiche. Au début, quand je suis arrivé, Pipiche, ça te gêne pas? Maintenant, c'est Piche. J'ai vu les jeunes t'appellent Piche. Ouais, bah c'est pour faire plus court, mais ouais, non, Ils ça vont dépend, t'appeler mais Peu. Bientôt, ils vont déjà, t'appeler Peu. Les costumes et tout, ils vont ouais, t'appeler voilà, Peu. ou épais, ouais, c'est ça, mais non, mais c'est comme ça depuis le collège, on va dire, donc voilà, je suis habitué. Bon, Mondomètre, le classement des victoires par équipe, meilleure équipe française, on le voit, hein. La Groupama avec 19 victoires, loin derrière quand même les Jumbo-Visma, un beau week-end encore pour les Emirati avec ce qui s'est passé sur le Tour du Luxembourg. Et puis au niveau du Francomètre, ça donne ça, 7e victoire de l'équipe Arkéa-Samsic cette année, vous n'êtes plus qu'à une victoire de l'équipe AG2R. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour gagner un petit peu plus? Il y a eu pas mal de blessures, on va reparler de Kevin Vauclin, on a parlé de Jente Biermans. Des fois, voilà, quand la spirale part dans le mauvais sens, elle continue dans le mauvais sens toute la saison. Comment tu Ah, c'est l'analyses de ça, je pense qu'on l'intérieur, toi? a. Oui, bah, moi je pense que c'est ça. Il y a eu beaucoup de blessés, notamment Amaury Capio, qui l'an dernier nous avait fait une très belle année. Là, il a été quasiment absent toute la saison, suite à des soucis de genoux. Kevin Vauclin, qui avait commencé sur les chapeaux de roue, qui a eu pareil, qui a été arrêté quasiment 3 mois sans courir. Donc voilà, au Tour de Limousin, il a une bonne condition. Après, bah, il a tout de suite allé sur la Vuelta. Peut-être que finalement. Bah, il manquait un petit peu de base pour cette Vuelta, et puis il a vu tout le chemin qui lui restait à accomplir. Mais donc voilà, ça, bah après Nasser aussi, hein, qui était quand même un de nos éléments forts. Et puis ben, on se rappelle tous d'où il vient avec sa vilaine chute autour de Turquie. Donc voilà, il a eu, je pense, un petit peu de mal à reprendre confiance avec Parce qu'il y avait bah, du pareil, hors-chair, il y avait les du débuts de hors-chair saison. avant la Voilà, Turquie, c'est quoi. ça. Il les a enchaînés, Nasser, ces dernières années. T'es inquiet pour Ouais, Nasser? donc ça.
Sans contrat, genre, je sais pas où ça en est, mais sans contrat pour l'année prochaine, Nasser. Bah moi non plus, je sais pas. Après, bah voilà, je pense qu'il est aussi lucide hein, sur ce résultat. Je veux dire, il connaît le vélo. Mais en tout cas, bah, je sais que c'est un grand champion et lui, ce qu'il rêve, c'est de sortir par la grande porte, donc par une victoire. Et c'est ça qui le tient. Mais voilà, avec un peu de confiance, un peu de réussite, ça peut s'ouvrir. Il n'y a pas de raison, le talent, il s'envole pas comme ça. On va passer à la dernière partie. Breton un jour, Breton toujours. Mais on va attaquer avec un Normand. On en parlait. Je voulais parler avec toi de cette nouvelle génération de l'équipe Arkéa. Toi, l'ancien qui va s'en aller, Kevin Vauquelin. Kevin, tu l'as dit, hein, il a fait son premier grand tour. Tu as parlé de ses chutes, ses problèmes de genoux un petit peu en amont de la saison. Là, on voit l'une de ses belles victoires de la saison. C'était sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il va gagner le classement général quelques jours plus tard. Il est tombé également sur la Vuelta. Il a été malade. Tu le vois où? Tu le situes comment? J'ai l'impression qu'il est bon partout. Il est bon en chrono. Il nous a montré au Tour du Jura que, bah, il était capable de taper un Thibaut Pinot à la patte. Il est, pour toi, capable de faire des top 10 sur un grand tour dans les, allez, 1, 2 ans qui arrivent là. C'est bien, top 10, c'est déjà énorme hein, comme ambition. Hein. Bien sûr, je l'espère déjà. Bah, on va déjà faire un top 10 sur un Paris-Nice, un Tirreno ou un Tour de Catalogne avant de parler de grands tours. Mais Paris-Nice, où il était oui, tombé clairement, hein, il a le également en début potentiel. de Enfin, moi, saison. quand je l'ai vu arriver, c'est voilà. Mais sur les grands tours, ça, c'est 3 semaines et justement, il faut aussi passer à travers ces embûches. Donc voilà, c'est sûr, il a du talent. On connaît pas ses limites, lui non plus. Mais c'est sûr que c'est le plus gros potentiel, je pense, de notre équipe à l'heure actuelle. Donc maintenant, il faut que tout soit aligné, comme on a dit, les genoux. Mais je pense que, bah, pareil, le mental, c'est aussi. Il a le mental, mais quand on met beaucoup de pression si jeune que ça, c'est peut-être un petit peu difficile à gérer parce que lui, il a envie de bien faire aussi, et peut-être un petit peu trop vite. Je ne l'ai pas eu depuis son abandon sur la Volta, mais j'imagine que ça a été difficile à vivre pour lui parce qu'il attendait autre chose de ça, de ce premier grand tour. Donc voilà, mais moi j'ai du recul, un peu d'expérience Il peut et s'en on servir voit Maxime Bouer tenir de la place. ouais, il peut s'en servir de cette mauvaise saison justement pour rebondir. Il était venu dans Bistro Vélo en début de saison, il nous avait annoncé qu'il ferait la Vuelta. Est-ce que bah, toutes ces chutes, la Paris-Nice finalement, si on est résilient, si on est intelligent, on en tire quelque chose? Bah oui, on gagne en expérience, et ça fait mûrir, justement, parce que bah il est arrivé, tout lui a vite réussi. Moi j'ai souvenir de lui au Tour d'Oman qui avait fait deux fois deuxième d'étape, notamment à l'étape Rennes. Enfin, on se dit bah c'est bon, ça va dérouler comme ça. Il confirme cette année, tout le début de saison, c'était parti. Et malheureusement, il y a eu ce couac, donc bah ça remet un peu les pieds sur terre, mais ça va le faire relativiser et peut-être être bah, plus prudent, plus professionnel et se dire que jamais rien n'est acquis dans le vélo en fait. Mais moi bon, j'y crois, moi je voilà, c'est quelqu'un de solide et il devrait réussir. Alors on a un Normand, et puis on a plein de Bretons, Ewen Cossu, Ouais. Néo-Pro, Mathys Lebert, Ewen hier encore en vue, il part dans la dernière étape du Luxembourg, il va terminer C'est meilleur ça. Français de ce classement général. Il y a quelques années, on allait chercher un petit peu partout, Manu il allait chercher des noms également, il allait chercher des points, là on se recentre sur la Bretagne. Ça doit te plaire ça, il y a des talents, on le sait hein, depuis des années, Ewen c'est quelqu'un Non, à non. suivre. Ouais, bah Ewen, j'ai suivi notamment lors de mon DGEPS où justement je faisais le suivi de tous ces résultats. Et j'ai roulé avec lui quand on était quasiment voisins, à Landerneau. J'ai pu partager quelques sorties avec lui. Et ouais, c'est un très très gros moteur. Après, c'est pas quelqu'un qui vient du vélo, qui a un grand passif dans le vélo. Donc moi, j'ai regardé aussi le Tour de Luxembourg. J'ai vu qu'il était très fort, mais bah, j'estime qu'il y a aussi eu des erreurs parce qu'il se découvrait parfois Ah, il trop prend loin de du vent. l'arrivée. Alors Il que je prend du pense vent. qu'à. Ah, ça, il prend du vent. Voilà. Mais c'est Il est bien. C'est généreux, bien. Moi, donc j'aime bien si on les peut le coureurs tenter. comme ça qui veulent y aller, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, les jeunes, si on leur dit reste dans le peloton, reste dans le peloton, ils vont aller faire autre chose. Hein. Et, je sais pas, moi, ils vont aller faire du Non. paintball. Ouais, non. Hein. Non, non, mais bien sûr, mais bah, le but c'est aussi de faire des résultats. Donc là, le peloton était quand même bien explosé.
Et quand il reste plus que, allez, une vingtaine de coureurs, bah, c'est peut-être bien de les suivre et puis il a gardé toute son énergie et puis peut-être aller faire un top 5 plutôt que 15e. Enfin voilà, Il fait mais sixième de je pense l'étape hier. que. Ouais, je sais, j'ai vu, mais peut-être que s'il n'avait pas son échappé, il pouvait faire top 3. Donc Ah voilà. ouais, tu ouais, bah Mais moi, je le super, suis pour les directeur sportif attaquants. comme toi, on va se régaler quoi. Non, non, pas du tout. Je suis pour les coureurs comment dire, qui animent les courses, qui vont de l'avant, ce qu'on voit avec des Remco Evenepoel, enfin voilà. Et je pense que quelque part, ces jeunes aussi essayent De les prennent copier, un d'imiter petit peu ça. comme modèle. Donc voilà. Donc ça, on peut pas leur enlever. Mais je pense qu'Ewen, c'était notre meilleure carte pour le classement général autour de Luxembourg. Et peut-être en étant plus raisonnable sur ses efforts, parce qu'on l'a vu tous les jours, on l'a vu à l'attaque. Et il aurait pu frapper un grand coup et aller chercher un meilleur classement. Ouais, on l'a Moi, c'est ce que suivi. j'estime. Si je dis ça, Oui, c'est. non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. On l'a suivi. En plus, il y avait les stagiaires. Il y avait Florian Dauphin, il y avait Baptiste Gillet qui vont intégrer l'équipe de développement. On a signé Jean-Loup Fayeul. On va avoir Léandre Louzoué qui va venir aussi. Et toute une liste là. Ça, c'est. On peut pas faire autrement aujourd'hui d'avoir cette équipe de développement. Il faut avoir des 18, 19, 20 ans pour tout de suite les lancer. C'est voilà, c'est le nouveau vélo. C'est comme ça. Bah oui, je pense que des carrières comme la mienne où on passe pour 24 ans, il y en aura de moins en moins. Mais est-ce qu'on va s'arrêter à 37 Donc comme non, toi? non. C'est la question qu'on peut se poser. Ça, c'est sûr, on le saura, les années nous le diront, mais ouais, je pense qu'on n'a plus le choix quand on voit maintenant des coureurs qui sortent de cadet, qui ont déjà des propositions pour être suivis par des équipes pro. Quelque part, on arrive dans le modèle du foot où on va chercher les coureurs très très jeunes. Donc C'est ça qui fait la oui, on est. différence, la formation plutôt. On apprend à se préparer plus tôt, on apprend à mieux manger plus tôt, on apprend à avoir une discipline, on va dire, ce qui est sommeil, tout ça plus tôt, meilleur matos plus tôt, c'est ça qui fait C'est la ça. différence. Bah oui, en junior, ils s'entraînent déjà quasi comme des professionnels certains. Donc après, qu'est-ce que ça va faire sur le long terme? Tout simplement, parce que c'est quand même beaucoup d'exigences. Quand on a 18 ans, on a aussi des bons moments à vivre avec les copains. Et puis tout le monde ne passera pas professionnel. Donc ouais, faut être quand même méfiant de ce système. Mais on n'a pas le choix, en tout cas, si on veut détecter les jeunes pépites, mais ouais, faut bien gérer parce que, à mon avis, il y aura un petit peu de déchets quand même. Et à contrario, dans tes années, un mec qui avait 22, 23 ans, on le tensait pas un peu? Attends, t'as le temps. Les anciens, ils avaient intérêt à ce que ça monte pas tout de suite pour garder leur place. Tu le sentais ça dans tes années? Ouais, c'est sûr, mais j'ai eu la chance de passer à Bretagne Schouler où il y avait quelques anciens, mais pas de grands leaders, donc j'ai tout de suite eu ma chance quand même. Et c'est vrai que oui, quand je suis arrivé à la FDJ, du coup, ça m'a fait un petit changement parce que là, effectivement, il y avait des leaders en place. Et puis, en étant habitué plutôt à jouer régulièrement ma carte, mes 3 premières années pro, là, j'ai basculé dans un rôle d'équipier. Donc, ça a été un petit moment d'adaptation, mais comme je dis, qui m'a fait progresser parce que j'ai aussi fait les plus grandes courses du monde à la FDJ. Et voilà, d'ailleurs on a vu en 2017, après ça, une fois qu'on a relâché les chevaux chez Fortuneo Vital Concept, ça a marché. Il y a plein de questions, je suis en train de faire le tri. Il y a Clem qui nous dit à ta retraite, tu vas te jeter sur le Kouign-Amann et les galets de saucisses, la bouffe. Ou pendant voilà, 15 ans, tu as pris tes habitudes ou est-ce que tu rêves de bouffe, toi, quand tu t'endors? Non, après, bon, j'ai jamais été à 100%, comment dire. Sur la diététique, à me serrer la vis de fou. J'aime bien profiter dès que j'ai des petits moments cool. Enfin voilà, je me prive pas pour me faire une pizza ou autre. Donc non, non, c'est peut-être aussi ça qui a fait que mentalement j'ai tenu de pas me mettre trop de barrières. Mais après, j'aurais peut-être été meilleur si j'avais tout fait plus sérieusement, même si voilà, je suis resté sérieux. Mais après, voilà, faut trouver la balance et pour que la tête tienne et que le physique marche bien. Donc non, non, moi, mon idée, c'est toujours continuer à faire du sport. J'ai envie de faire de la course à pied parce que déjà, ça prend moins de temps que le vélo. Donc, Déjà, rien bon, que pour voilà, se préparer, ça j'ai m'en prend des moins de petites temps. idées. Rien que pour se préparer, ça prend moins de temps.
Aller chercher le cuissard, mettre le cuissard, aller vérifier le vélo, C'est partir. ça. Là, tu mets les pompes, t'es parti, tu reviens, une douche, c'est réglé. Voilà, c'est ça. Et puis bah, quand t'as fait 1 heure de vélo, t'as rien fait, tandis C'est que t'as ça. couru 1 heure, t'as bien bossé déjà. Ouais, on est d'accord, c'est un petit peu le problème de tous ceux qui habitent à Paris. Hein. C'est pour ça qu'on arrête le vélo et qu'on va courir. Voilà. C'est trop compliqué. En plus, Bon, il y a les non. voitures. Tiens, tu parlais d'Armindo Fonseca, l'un de tes meilleurs potes. On va l'écouter, Armindo Fonseca. Salut Piche, salut la team Eurosport. Avant tout, félicitations Piche pour ta longue et belle carrière. Et j'étais ravi d'avoir pu courir à tes côtés. J'ai une petite question à te poser. C'est quoi ton secret sur la vitamine AR? Allez, bisous, ciao. Classe, la salle à brûle au siège course. Alors, c'est quoi la vitamine R? Tu nous as parlé des vacances avec Armindo Fonseca, ça doit venir de là. Je l'ai pas la vitamine R. Donc ça, on était en République dominicaine, donc en quelle année c'était? Je pense 2000, ouais, 2015, un truc comme ça. Et ouais, bah c'était, on avait dû faire une excursion en bateau à la journée, et puis bah forcément, il faisait chaud, donc fallait s'hydrater un petit peu, Ah, et tout le monde c'était la connaît vitamine les ceux AR. qui sont allés en République dominicaine connaissent les expressions les expéditions en bateau. Vous Voilà. montez sur le bateau et là on vous saoule la gueule au rhum. Comme ça, même si vous voyez rien, vous rentrez, vous êtes content. C'était ça quoi. La vitamine R, c'est le rhum. Exactement, Rome Coca, il me semble. Cuba Libre, comme on s'est dit ça. Hein. Donc Voilà. 2015, on apprend des trucs. 2015, toi t'étais FDJ, Non, bah c'est après, ça? c'est la. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, il faut profiter de la coupure, hein, c'est important pour mieux repédaler après, hein, tout le reste de l'année. On va. Tiens, Mathis Lebert, on a parlé des Wencosu. Il avait une question pour toi, mais avant, j'aimerais que tu me parles un petit peu de Mathis. Parce que là aussi, on a un talent. Moi, il m'a tapé dans l'œil sur la Vuelta. Il devait pas faire la Vuelta. Ouais. Échapper à la troisième étape, échapper à la 19e étape. Il peut passer un cap avec ce premier grand tour. Oui. Bah oui, clairement. Quand on voit l'année qu'il a faite, il a commencé déjà très tôt en Australie. Et c'est tout de suite illustré sur le Newsblad, avec une très longue échappée. Il a quasiment fait toutes les classiques flandriennes, une bonne partie des Ardennaises. Là, un grand tour. On l'a vu aussi, grand animateur au Championnat de France. Donc non, moi je pense qu'il va passer un cap. Voilà, mais. Ouais, on a des bons Bretons et on a du talent. Donc, avec cette saison-là, la caisse, un peu de repos, et ça va le faire. Et moi, en tout cas, j'y crois. On a des très bons éléments dans l'équipe Arkea Samsic. Donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que bah, je suis aussi lucide et que je me dis que c'est eux l'avenir. Et c'est aussi pour ça que ça fait réfléchir pour bah, ma décision de partir en retraite. Mais si je peux les accompagner différemment, ce sera avec plaisir, en tout cas. Il avait une question pour toi, Mathis Lebert. Salut Piche, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tous les petits cochons que tu as gagnés? Et voilà, quel conseil tu peux me donner pour pouvoir la gagner un jour? Et la deuxième question, c'est combien de kilomètres tu as pu effectuer dans toute ta carrière? Voilà. Et voilà, sinon, merci pour les conseils que tu m'as apportés. Salut! Copains, comme cochons, ça c'est dans le Père Noël, tu leur dis. Tu les as bouffés les cochons du Trobro ou quoi? Je sais pas, il n'y a pas Brigitte Bardot qui regarde. Non, ouais. Bah, effectivement, on ne peut pas les laisser grandir infiniment. Bon, malheureusement, paix à son âme. T'en as gagné combien des cochons sur le Trobro? On 4. rappelle, c'est 4. ça, t'as gagné plus de cochons que de courses professionnelles dans ta carrière. Est-ce que j'ai vu cette stat qui passait, trois courses professionnelles pour quatre cochons, alors que t'as jamais gagné trop gros. C'est ta vie, c'était de manger du cochon en fait. Mon rêve, c'est de gagner le Trobrelet. Et puis forcément, il y avait le cochon qu'elle avait avec. Donc bah ouais, c'était à chaque fois le lot de consolation. Ouais, bah, ils grandissent. Mais pour vous rassurer, ils ont une super vie en fait. J'ai un collègue agriculteur, Philippe, qui s'en occupe. Qui s'est d'ailleurs occupé d'Olivier Le Gac. Donc voilà, ils sont aux petits oignons, ils sont tout Et seuls les dans leur jeunes case. agriculteurs bretons qui fournissent d'ailleurs les cochons, qu'on salue. Voilà, c'est ça. Et c'est pas de l'élevage intensif, quoi. Il est chouchouté pendant quelques mois, donc Jusqu'à l'assiette. c'est ce que m'avait dit le fils de voilà, c'est ce que m'avait dit le fils de mon collègue qui s'en occupe. Il me dit bon, ils ont une belle vie, donc bon,
Voilà, faut pas avoir trop de remords. On va se faire plein d'amis, mais bon, il faut manger aussi. Du coup, je suis perdu. Si, il y avait une autre question, combien de kilomètres? Est-ce que tu sais, sur 15 ans de carrière, ce que ça représente en termes de kilomètres, entraînement, course? T'as calculé ça? C'est Bah, Baptiste qui se posait la question. je suis à entre 28 et 30 000 à l'année, donc voilà, fois 15. Ça fait 300, 300, ça fait 450 000. Ouais, c'est ça. 450 000 kilomètres. Ouais. Pas mal ça. C'est pas mal ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Plus qu'en Alors, voiture. on va revoir quelques photos de ta carrière. Alors, il y a plein de questions. Je les prends. Ah ouais, tiens, c'est vrai, on a parlé du combatif. Il y avait cette photo-là, combatif, je l'avais complètement oublié à Chartres également. C'était pas ton premier combatif sur ce Tour de France. Ouais, non, j'en ai eu deux et j'en ai eu un sur la Vuelta aussi en 2016. Donc, ouais, voilà, trois Bah fois tiens, combatif. ouais, et le maillot à poids sur la Vuelta. En préparant l'émission, j'ai retrouvé cette photo. Tu as porté le maillot du meilleur grimpeur sur la Vuelta. Ouais, une journée d'ailleurs, et pour la petite histoire, je faisais chambre avec Alexandre Géniez, et quand je suis arrivé dans le soir avec le beau maillot, il me dit ça te dérange si je demain je te le prends? Bah, bon, bah, je me suis dit, ah bon, bah, il est motivé. Et effectivement, le lendemain, il s'est échappé, il a pris le maillot et il a gagné l'étape. Donc voilà, il savait ce qu'il voulait. Une de ses trois Mais c'est. étapes, je crois, sur la Vuelta, Alexandre Géniez, le coureur C'est ça. de Rodez. J'ai une photo aussi échappée avec Philippe Gilbert. C'est ce jour-là, sur la Vuelta? Ouais. C'est ce jour-là où tu vas C'est chercher ça, le maillot? en fait, on était échappé à trois coureurs et J'en ai quatre, Philippe hein, avait sur la avancé. photo. J'arrive pas à voir Voilà. derrière. Il y a un direct énergie, tout, on te voit bien. Il y en a un quatrième derrière que je reconnais pas. Alors, il y avait Brian Nolo, il y avait Cesare Benedetti qui est chez Bora maintenant, Ouais. et Philippe qui était ressorti en le final et qui était revenu sur nous trois et qui avait poussé l'échappée un peu plus loin. On avait dû se refaire attraper à 4 ou 5 km de l'arrivée. C'est que des bons souvenirs. Alors là, tu les vois pas les photos, mais tu peux regarder l'émission. Hein. Ce soir, tu auras les photos. Je vais même te les envoyer Ouais, je vais maintenant que j'ai faire. récupéré ton numéro de téléphone. Ok. Allez. Deux, trois questions avant de se quitter. Ça fait déjà 51 minutes qu'on est ensemble. Alors, c'est Clem. Là, je me jette dans l'inconnu. Théo Ouvrard, il travaille chez Arkea. Théo, il fait quoi? Alors, il est manager sportif, donc il s'occupe de. Ah, mais il vient d'arriver, Théo. Non, ça fait quand même quelques années. Alors, Quelques années. je confonds avec, je sais plus, le nouveau responsable de la performance qui est Ouais, à. c'est ça, c'est ça. C'est lui? Ici, Alors, ouais. qu'est-ce qu'il apporte? C'est Clément. Je sais pas, il y a peut-être un joke derrière, ça te fait marrer qu'on dit Théo Ouvrard. Donc, qu'est-ce qu'il Ben apporte, Théo non, c'est Ouvrard? parce que. C'est qu'en fait, Théo, je l'imite beaucoup. Enfin, je l'imite beaucoup. Voilà, j'avais fait un one-man show un soir. Donc voilà. Un one-man Et il avait show! été surpris. Ouais, parce que bon, on avait fait un repas en stage à Calpe. Pour finir le stage, on était allé manger dans un restaurant. Et puis on m'avait poussé quoi à faire les imitations, donc notamment Warren Barguil qui est Ah pas le ben, dernier pour moi, rigoler au pré. tu sais quoi? Bah tiens, j'ai une photo, regarde, alors tu la verras ce soir. Warren Barguil chez Sunweb et toi chez FDJ. Warren qui partira à la fin. On va peut-être terminer comme ça avec une imitation de Wawa. Moi, j'ai adoré celle de Nasser Bouhanni, une imitation de Wawa pour terminer. Ah non, Warren, je ne l'ai pas vraiment. Désolé. Mais ouais, j'essaye, hein. J'essaye, Wawa. Allez, j'essaye, je me lance. On verra si c'est bien ou mal, Si mais je me ouais. marre, c'est que ça marche. Ouais, bah, je suis content d'avoir gagné à l'Issoire. Je me sentais vraiment bien. Et puis avec ce maillot à poids, ça fait penser à Richard Virenque. Donc ouais, c'est cool. Et puis bah, quand je rentrerai, on mangera des crêpes en Bretagne. T'avais envie d'être imitateur petit, t'allais voir, je sais pas moi, les Patrick Sébastien. Moi, je faisais ça quand j'étais petit, je voulais être imitateur, moi. Non, par contre, j'ai toujours adoré regarder les films humoristiques, Les Trois Frères, La Grande Vadrouille, tout ça. Mais c'est vrai que dès le collège, les profs me disaient de faire du théâtre. Donc, bah, je ne me suis jamais lancé, mais bah, j'aurais peut-être dû, en fait. Ça aurait peut-être mieux marché que le vélo, je sais pas. Et tu sais, à 37 ans, la vie commence, hein. Si t'as envie de faire du théâtre, Ouais, bon, ouais, ok. peut-être pas pour faire carrière, mais pour se Ouais. faire plaisir. Bah ouais, non, pourquoi pas, mais c'est sûr que j'ai toujours imité, mais comme je dis, plus les gens que je côtoie, les profs, les collègues, le staff, mais T'imites si on devait imiter Emmanuel Macron, je sais pas qui. des commentateurs vélo, tu sais faire?
Je les côtoie pas assez, en fait. Donc ça pourrait venir, Fred nous dit je vote, l'imitation de Wawa. Une dernière et on se quitte. Ah, j'ai envie d'en entendre celle que tu voilà, celle que tu sens le mieux le maîtriser. Bon après si c'est ton boulanger, ça va pas être drôle. Hein. Bon, bah j'espère qu'il m'en voudra pas non plus. J'aimais bien imiter Martial Gaillan quand j'étais à la FDJ, Ah ouais, Martial. donc Alors, voilà. ceux qui connaissent pas Martial, vous tapez Martial Gaillant, Bradley Wiggins. Il y a une vidéo qui est fabuleuse à l'époque de la FDJ. Petit Bon, bah je cyclocross. Tu y étais pas. justement, je fais celle-là, alors comme ça, on verra si Allez, la vas-y, vas-y. comparaison est Ah bonne. bah moi, je connais le texte, alors vas-y. Oui, bon, donc là, les coureurs, ils font du cyclocross, c'est pour leur apprendre de l'agilité. Puis bon, bah, là, on a Brad, là, c'est un pistard, là, donc lui, bah, il a clairement tout à apprendre. Donc voilà. Et puis, bah, allez, Brad, on se relève! Ça, Anne, ce soir, site avec Adrien Yo, on met l'imitation, le vrai et l'ancien. Un grand merci, Pipiche. Dimanche, Tour de Vendée, bien entendu, pour ta dernière, on suivra ça sur nos antennes. Et puis regarde, c'est Thomas Voeckler qui sera dans le bistro vélo. Tu es pas mal, hein, entre Thibaut Pinot et Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, le 2 octobre. Et puis la dernière, avec Cédrine Kerbaol, championne de France du chrono cette année, meilleure française du Tour de France et qui vient d'aller chercher un titre au championnat d'Europe sur le relais mix avec ses copines Juliette Labousse, avec Audrey Cordon-Rago, avec les garçons ici, Benjamin Thomas, Bruno Armirail, et je savais que j'allais en oublier un, je cherche en même temps, c'est Rémi Cavagna, bien entendu le troisième. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pas de dossard prévu après? Dimanche Oh, terminé. bah, j'ai plus bah, on verra. Après, des fois, il y a des aléas de course, des malades, des blessés. Souvent, j'ai pas mal été remplaçant. Et bon, parfois, c'était pas mal hein, sur le Tour de France. Ou Paris-Roubaix, notamment. Donc, parfois, ça m'a plutôt réussi. Donc, on verra. Pourquoi pas. Mais normalement, c'est le Tour de Vendée. Mais s'il y a Paris Paris-Tour Tour, ou c'est autre, bien. Paris Tour, c'est j'y une serai. course pour toi. Hein. Le Trobro, Ouais, Paris-Roubaix. j'ai. Oui, bien sûr. Non, j'ai fait cinquième l'année de Paris-Tour, donc oui, j'aime bien. Maintenant, on verra, c'est pas prévu. Et puis il y a Tony Galopin qui fera ses adieux. Il y a une petite soirée. Si tu es là, on ira ensemble. Il y aura Greg Van Ah, Avermaet aussi qui fera ses adieux sur Paris ok. Tour. On fait ça? D'accord, ok. Bon, eh bien écoute, je te laisse. Hein. On appelle Théo. En faisant gymnase, les gars, votre plein, je serais resté à la maison. Parce que là, il fait trop chaud pour faire du vélo. Gros bisous, pipiche. Salut, Ciao. merci. Ciao.